Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, nous allons débriefer Madjabou Talent, n'est-ce pas? Il y a eu des choses qui se sont passées la semaine dernière et aujourd'hui, il y a eu encore un nouveau numéro. D'ailleurs, d'habitude, lorsque je débriefe Madjabou Talent, je suis d'abord et puis je reprends à zéro. Mais là, j'avais pas suivi. Ok, on va tout découvrir ensemble. On va découvrir les nouvelles voies que les ambassadeurs de Madjabou Talent nous ont réservées, les surprises cachées derrière. Déjà, je vous ai mis au signal juste avant que je ne vous poste ce contenu. Alors, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes très bien installés, que vous avez vos verres de jus. Allons-y, allons-y, let's go! Laisse mon cœur louer, Seigneur. À te voir, à t'apporter un ballon. Colon, au témananga, et comme Essayo. Oh, Yahweh, comme maman. Oh, Yahweh, comme maman. Et l'ombre, Yahweh, comme maman. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Madjabou Talent. La semaine dernière, nous avons découvert Otniel, ce candidat qui nous a chanté Nayoka Nangai Koloba, Yesue, Nayoka Nangai Koloba. Ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites autour. Mais également, j'ai reçu beaucoup de retours, entre autres l'appréciation du frère Elvis, qui a très bien interprété sa chanson, qui a même interprété la voix de la personne, en fait, le propriétaire de la chanson qu'il a chanté, qui n'est plus de ce monde d'ailleurs, que son âme repose en paix. Mais les gens n'ont pas compris pourquoi est-ce que les membres du jury de Madjabou Talent l'ont donné un truc genre rouge et tout ça, il n'est même pas retenu. Pourtant, il a une très très belle voix. Il y a cette réclamation là qui a été faite. Mais également, pourquoi notre frère, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, celui qui chantait comme un musicana quoi, celui qui avait chanté Natila yo motema nazo eloko, oyamutu ya mokili epimela ngai. Voilà, avec ses nuances et tout ça, les gens ont trouvé qu'il avait un très bon timbre vocal, il avait une très belle voix. Pourquoi le jury ne l'avait pas retenu? Pourquoi le jury ne l'a pas donné le truc vert là et tout? Les gens étaient aussi très déçus par rapport à ça. J'espère qu'aujourd'hui, ils vont se rattraper. Mais je suis d'accord avec le public par rapport au frère Elvis, mais également par rapport à ce frère-là en particulier. Il y a même une autre soeur, j'ai oublié son nom, qui avait aussi très bien chanté, mais qui avait obtenu un orange et tout ça. J'ai pas compris pourquoi. On demande à ce que le jury de Madjabou Talent puisse être vraiment très, très regardant par rapport aux cachets qu'ils donnent, qu'ils ne puissent pas donner seulement les cachets comme ça à tout va. Il y a des personnes qui ont du potentiel, peut-être qu'ils vont passer à côté d'une très belle voix. Par exemple, ce frère-là, ou encore le frère Elvis. Le frère Elvis, par exemple, il méritait même un orange, n'est-ce pas? Ça aurait fait l'affaire. Bref, c'était un tout petit peu ça, les réclamations de la semaine dernière et puis les encouragements au frère Otniel qui avait très très bien chanté. Il y avait beaucoup d'humour la semaine dernière et cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Allons-y, déjà, place au premier candidat. Talent. Hey, les amis, vous voyez ce que je vois là? Waouh, la sœur Sandra. Une nouvelle coéquipière dans l'équipe, ça va? Aïe. Merci. Comment vous allez? C'était bon le voyage? Au moins, Bosnie n'est pas là cette fois-ci. Beaucoup se sont plaints d'elle aussi. Mon Dieu. Des qui sont passés l'un après l'autre à tour de rôle. Pour nous laisser nous faire vraiment du bien ici. Sincèrement, j'ai manqué. J'étais pas avec vous, mais j'étais là. Ah, mais je me disais. Moment, je peux vous voir connecté, voilà, je me disais, okay, j'avais okay. Vraiment envie d'être là et de vivre la même chose. Ça va. Ah, non, mais c'est pas fini. Espérons. Là, déjà, nous prenons le tout premier candidat. Ok. Je crois que la même grâce qui a été avec nous depuis le début sera également avec nous aujourd'hui, c'est vrai? Espérons. C'est vrai? Est-ce qu'on peut aller? On peut aller? On y va. On peut aller? Yes, yes. Nous yes, recevons yes. Le tout premier candidat et c'est parti. Ah oui. 28 ans. Qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui? Dis-moi, Liziba. 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 Ok. Mais maintenant, nous avons Banda et puis Balandio, n'est-ce pas? Oui, non, Banda. Banda. Sans toilette, c'est parti. Liziba. Oui, Kaka.
Aïe, ma ami Choni. Ça va aller bizarre, pardon. Parce que c'est moi aussi, j'entends ça souvent dans l'église Michonne. Ah, qu'est-ce qu'on me décide? Quelle est drôle! Sandra ressemble à ma soeur, celle qui chante les chansons que je vous mets sur ma chaîne là. Pasteur Mike, tes commentaires me tuent. Quelle ironie! Tu vois là, il y a la décision du jury par rapport à ta prestation. D'accord? Hein? Comme ça, Ok, parfait, j'aime ça. Infiniment, abondamment, tu es au-delà. Ah, on t'a aussi mis ça. De tout ce que tu demandes au travers. C'est ça, armée. Il y a des mouvements brutaux. Toutes ces promesses envers toi. Wow. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il veut. Belle voix, mais et prestance, pardon. Ton fils, je sais que tu peux me faire plus que ça. Alors, j'ai personnellement beaucoup aimé ta prestation de tout à l'heure, mais seulement il y a un problème que je décèle alors que tu étais en train de prester. C'est un problème sérieux de diction. Ah. Tu devrais revoir cela, ok? Je me dis, c'est un petit souci qui peut être vite. Recadré, ok? Bon, après, il n'a pas tort non plus. J'ai toujours dit que la musique, excusez par sa définition, c'est l'art de combiner le son de manière agréable à l'oreille. Du coup, si tu as un léger problème de diction et que ça se sent comme ça dans une chanson, ça peut te déconcentrer. Surtout que c'est une histoire de prière, genre, c'est toi qui modères et tout ça, les gens ont les yeux fermés et ils sont en train de prier. Tu dis, tu articules mal les mots et tout, ça peut te déconcentrer. Et nous t'as concentré en portée dans le Saint-Esprit. Moi, je me suis dit, déconcentré, comme moi, perfection, un langage et un modérateur, ça peut un peu déranger. Dans ce sens-là, il peut avoir raison. Mais après, il a une très belle voix. Et puis surtout, ouf, ses mouvements, en tout cas. Sans plus tarder, vous avez demain de l'ambassadrice Sandra Mbouyi, la décision du jury. Ah. Non, mais je pensais à un verre, il a une belle voix. Si je puis dire. Mais par contre, je croyais que je vais décrocher le verre. Oui, moi aussi. C'est émotionnel, quand même. Je ne sais pas.
Donc, ouais, même le roi Mbi là. Sarah, tu me donnes l'impression de stresser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, maman Sandra? Non. Ça fait chaud au cœur. Hein? Oui. Ok, dis-nous, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Je vous ai préparé deux chansons, non? Je vais chanter ces maïs. Une chanson d'une minute. Tu as droit à une chanson d'une minute. Merci. Ok. Ces expressions. Tu peux voir avec le pianiste si tu as besoin d'une note ou tu peux chanter sans. Chanter sans le pianiste. Ok, parfait. Merci. Nalilio Zamboyo. Nalilio Zamboyo. Nalilio Zamboyo. Nabaveye beba retraite. Nalilio Zamboyo. Zamboyo. Nalilio Zamboyo. Zamboyo. Sandra Salaninye. Zamboyo. Akoma elembo e nzambo yo luka lwa sala nini e nzambo yo ba fan na bino ne bazo o embe la bino nzambo yo mefi boche ta sala nini e nzambe nanga po akoma elembo e nzambo yo abwakilis kaiba sala nini e nzambo yo Le goût de ça. On va faire de la bino vraiment. C'est ça qu'elle a chanté pour concours. Tiens, dans cette enveloppe, la décision du jury, nous serons heureux de te retrouver, ok? Nous t'aimons, Sarah. Elle tremble, ne tremble pas. Fais ça, regarde. Et bon. Ne pleure pas, Dieu te bénisse. Merci. Ok. Yo. Ingénieur. Je vous avais dit, c'est votre fan. À la mélodie. Comment ça va? Oui, à merveille. Tu es bien habillée, Célestine. Merci. Tu nous viens d'où, Célestine? Je viens de Barumbu, de la commune de Barumbu. Barumbu. En plus, elle est la mélodie. La mélodie, c'est ça. Célestine, la mélodie. Célestine, tu as quel âge? 19 ans. Bon, en fait, je vais interpréter la chanson de Hosanna de Frère Colmatobé. D'accord, on y va. L'autre, elle sourit jamais, elle a juste la coach là. Confiance en la moto. Et malédiction. Attendez. Vous savez, Madia Boutaland m'a appris quelque chose que je connaissais déjà, mais je le réalise au fur et à mesure que je suis ça. N'avez-vous pas réalisé que certains candidats, tu le vois comme ça, si tu dois le juger par rapport à son aspect physique, tu vas se dire « Ah, Aza, voix nénine ». Mais quand ces personnes ouvrent leur bouche pour chanter, mais vous êtes agréablement surpris, quoi. C'est-à-dire, ça vous épate même. Par exemple, elle, je ne parle pas de son âge, mais qui pouvait se dire qu'elle pouvait avoir une aussi belle voix? Waouh. Elle a juste besoin d'encadrement. Elle n'arrive pas à danser en chantant. Hosanna, papa
longoli o petit saveur ya kitoko e petit tunga un parfum du bon odeur yo sukoli ongengi singa le luna komi en couleur grâce à toi kolonanga toute ma vie est splendide et tumbalanga yo bunda peyo remporte la victoire banguna nanga babwa kangunda bona bango plus d'espoir Nevala nanga kakampunda, nasala nanga pour ta gloire, namusala nanga yangunda, tout est ici, babwa te voir. A bibi de la gamme, bokata et kakoyo kaeka pas un babien. Ah, Bima qui dit un agam. Eh, Yesu. La mélodie, Célestine. Tu as une belle voix. Merci beaucoup. Tu as une belle voix, naturellement. Et si tu dois me revenir prochainement, double-nous encore tes efforts, ok? D'accord. Viens. Viens. Approche. Tu as dans cette enveloppe la décision du jury. Ah, pourquoi elle a eu orange? Elle méritait un vert. Je suis très contente. Ah, quand même, Madia, vous vous abusez. Elle méritait un vert. Bonjour. Quand même. Ça va bien, merci. Oh, j'aime ta taille, elle est imposante. Tu joues un peu au basket? Non. Pourquoi? Alors, dis-nous, mon ami, tu reviens d'où? De quelle commune? Moi, je viens de Matete. Matete, très bien. Alors, Yepsanga, vous préparez Nini pour Nalelo? On prépare Yepo et un fiston. Ok. Tu peux jouer à la guitare? Tu peux jouer à la guitare? Un petit moment. Ok, tu peux déjà apprendre, oui? Vous allez à Kabo. Pas la guitare. Est-ce que vous voulez déposer légèrement votre guitare ou que vous l'avez sur vous? Ne jouez pas la guitare. Accompagnons notre ami. Avec un autre chant? À mon avis, le même chant. Mais ne jouez pas la guitare. On vous accompagne. Seul, on y va. Sans guitare. Il est bien chanté, non, papa Mike? Mutunyange vula ngogo ni mushalanga yani natika ya kinga muko fasa mu problem nani ayogelanga zogi ya Yesu te yango lilo na yembi pona yebi atapasi ngai nazalia yo mosa tolola kozanga mbongo tende kokyo kangangai. Okay. Il chante bien. Okay. Écoute, mon cher ami, je sens qu'il se peut que les jurys te repêchent. Vraiment des justesses. Chanter, en même temps jouer à la guitare avec beaucoup d'hésitation, ça ne t'a pas beaucoup aidé. Je pense que c'est bien. Je sens que quand je joue la guitare, je joue un peu vite. Je sens qu'à ton instrument, tu es encore un apprenti. Mais... tu as voulu t'encombrer pour rien. Orange. Bon, ça va quand même. C'est quoi que tu nous as préparé? J'ai préparé la chanson Gratitude de frère de l'étoile d'adoration. L'étoile de louange. Kaling Tumba. Très bien. Le stress.
Tu es prêt? On t'écoute. Tu peux collaborer avec Emmanuel. Tu peux commencer, il va te suivre. Emmanuel, okay. Il commence. Le stress. Yes, oh yo. Nini na pesa na yote. Baouni na ngaya mutuya. Ndiyo. Yo kangola ngana mounia mouyo ya mouini satana. Les demi-temps. Oh, c'est pour ça que je dis, Yaya. Oh, il m'a dit que je Il est bon. Calm down. Écoute-moi. Calme-toi. Jonathan. Papa Mike. Calme-toi. Merci. C'est quoi d'autre que tu peux nous proposer? Ah, Papa Mike. Regarde-moi. Yo. Mike, les gens sont déjà dans l'ambiance. Lui, il vient casser les papous. Ils sont vraiment dedans de toi. Donne-moi autre chose. Il s'est dit que... Tu vois que tu t'es pas trompé. Il fera. Oh, 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 oh. C'est sa façon de chanter ou quoi? Il fera. Il fera. Oh, 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 oh. En tout cas, donne-nous plus que ça, ok? Pourquoi Aurore? Mais c'est quoi votre problème, le jury de Madia Boutalante? Il méritait un verre. Oh! Bonjour, Christian. Bonjour, madame Sanda. Comment vas-tu, Christian? Je vais bien. Et vous? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Je suis ravi. Voilà, tu nous viens d'où, Christian? Je viens de Kinshasa. De quelle commune? Commune de Baromo. Ah. Oh, il y a eu un barombo. C'est préparé comme chant, là. Ouais, c'est... Le titre de la chanson, c'est Paroles rassurantes. Hein? Paroles rassurantes. Tu es de qui, ça? Particulier, vas-y, mon ami. Paroles bon, rassurantes. Je préfère pas le piano parce que je vais faire des modulations. Ok. Ok. Je peux? Vas-y. À la Michael Jackson, carrément, quoi. Mmh.
Ma vie, Michael Jackson. C'est pas possible. Michael Jackson. Aïe. Mes afflictions sont derrière moi. Depuis ces jours-là, ne plairai pas mon fils. Sache que je suis en tes côtés. Tante, ne plairai pas mon fils. Sache que je suis en tes côtés. My God. De tête, hein. Il vient d'où? Comment vas-tu? Maman Sandra, demandez-moi quoi? Quoi, papa? J'ai envie de venir, papa et maman Madjabou. Mais je me dis, mais quelle belle aventure! Ouais. C'est pas comme tu rentres à nous suivre à la télévision. Quelle ironie, mon Dieu! Le fait que ça peut bénir. Pasteur Mike, on a rendu beau. Oui. Alors, Dieu te bénisse, Christian. Merci Christian d'être venu. Christian Capépa, vraiment ravi de t'avoir. Très particulier, très particulier. Ici, à la décision du jury par rapport à ta prestation. Et vraiment plein de courage de nous avoir interprété ta propre chanson. Et voilà, si tu continues avec nous, on sera là pour toi. Et au cas contraire. Vas-y, travaille encore, monte encore, plus haut. Hé, dans mon gongo, alors, ma tête est fille. On pense à la moto. Ma prestation a été bonne. Le jury a apprécié. J'ai la tête d'un infirmier d'un centre de santé dans le quartier, quoi. Je ne sais pas de quel, mais. J'étais satisfait. Il ressemble aux infirmiers qu'on retrouve dans les hôpitaux, dans les centres de santé du quartier. Papa, du rouge. Fait qu'on te donne même du violet. Moi, Sandra, tes expressions faciales, tu me fais trop rire. Balongoli souvina nga kobeba. Otika nga tera sambo na sina moyo yo. Umela pembeni na ngaye, papa na ngaye. Bon Sandra, si ça ne dépendait que de toi, tout le monde aura du verre ici, hein. C'est trop simple. Simanga makasi, makasi nzambe nangaye. Nabui nakoma, référence abaye, makota loge. Nazobanga nanga nakoma, référence abaye, batikayo. Yabaye bazonga na mokili pezanga loboko nzamba lola. Attends. Pasteur Mike, il vient casser l'ambiance, toujours. Filme encore autre chose. Ah, papa Mike, j'ai jamais vu un type compliqué comme ça. Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Maman Sandra, bonne sensibilité, boy. On s'accouche à jury. La voix qui bouberge quand je trouve mon cœur. Heureusement que maman Mike est là. Papa, t'inquiète pas, tu auras un orange. Regarde, il se moque de ses collègues. Je t'attends, mais pas. Et ta loi dans mon cœur. Toujours. Ça y est.
You are my father. Garde-nous ton énergie. Papa Mike s'est cassé l'ambiance. Il est bon pour. Mange et bois. Maman Sandra, je sais pas, t'étais comédienne. Vas-y, prends, sinon je vais changer d'avis. Prends. Yeah! Pars. Au revoir. Wow. Reste là. Ah, papa Mike. Prochainement, ok? Tu viens dans une compétition. Déjà, tu es dedans. T'en fais pas, ok? Ce que je veux tout simplement te dire, c'est que va doubler nous encore tes capacités. Mm. Au point de les tripler, de les quadripler. Ok? Yes. Viens avec objectif de remporter cette compétition. Yes. Qu'est-ce que tu sembles donner comme atmosphère là? Plusieurs l'ont donné. T'en fais pas, tu n'es pas le seul. Mm. Il y a des gens qui nous ont soulevés ici. Mais sérieusement. J'aime ça que tu y es. Dieu te bénisse. Merci. Quand je suis ma passante, c'est une pipe. Et venir jusqu'à là où j'étais, la paix m'a embrassé, ça m'a révolté. C'est pas facile de voir. Elle va pas tuer ici, quoi. Wow. Il le mérite, hein. Le goût de chat bébé. Ouais, maintenant comme vous m'avez fait là. Tu es ma force, tu es mon défenseur, tu es mon abri dans la tempête. Traverse de preuve, tu es toujours fidèle, tu guéris mon âme. Je ne suis pas seul, tu seras devant moi, et tu ne me quitteras jamais. Je ne suis pas seul, tiens, concours, chante une chanson qui met en valeur ta voix, maman. Je ne suis pas seul, tu seras devant moi, et tu ne me quitteras jamais. Merci. Voilà. Dis-nous, mon ami, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? J'ai préparé la chanson Persévère, mélangée avec un couplet du rap. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Je me rappelle mon ma perdu, mes passés étaient confis. Je te vendu par le vent du monde et la face voilée. Mon rêve était noyé, ma destinée, je ne l'avais plus en tête. Je ne visais que fête, rien avec la tête dure. Même le jour on m'a parlé de cette personne qui dit: venez à moi, vous tout qui est vraiment chargé. Je ne pas refuser, je ne pas reculer, je ne pas résister. Je ne suis grécite et je me suis laissé affranchi par cette vérité qui est Christ. Je me laisse conduire. Papa, même si tu rappes, tu dois respecter le gars, la gamme, le tempo, le rythme. Ma vie, c'est lui le driver de ma vie. C'est le plus moi qui vit à moi, mais c'est le Christ qui vit à moi. Yeah! Yeah! C'est le plus moi qui vit à moi. Même si on rappe en Christ, on respecte pas le tempo, on n'a pas le rythme, on a. Ouf! Persévère. Trop fort! Ma sœur! Je te retrouverai, mon ami. Oh, c'est un bon rouge. Orange? Ah! Bonjour, Alain. Je comprends plus ce jury, franchement. Très heureux d'avoir avec nous pour le compte de Major for Talent. Vous êtes prêts? Motema Nangai. Yo bolingo ya bomona Nangai. Yo komisanga molobi. Mihili mo yesoe. Okutanga ya wana molongo. Ole kioponi senga yoyo. Ma voix qui fiston mouillé et bébé les lois. Baiba kananga oko beba akutinga nazoyemba bilombe bakananga na bitumba. On peut sentir qu'il y a le talent mais qui doit être davantage travaillé, ok? Tu nous donnes ce son nasal du début à la fin
Tu devrais revoir cela. Coach Charlie, quel genre d'exercice pouvons-nous recommander à notre ami? Alors, je vais dire à Alain, c'est un son nasal que tu peux arranger, d'accord? Pour que ça parte, tu dois utiliser tout, juste tes abdos, ok? Ne pas t'écouter, parce que quand on t'entend chanter, tu es en train de savourer ta musique toi-même dans la tête, là, toi-même, ok? Oui, la prestation est bien faite. Juste une petite réproche par rapport au jury. Tu vas travailler en chantant par tes abdos, d'accord? Pour les jours à venir, ça pourrait m'aider au souffle. Tu as eu quelle couleur, papa? La couleur rouge, je crois bien. C'est bien ça. Bonjour, cher ami. Comment vous appelle? Le Banzadio Seke Brochman. Comment on casse si bon? Bon, c'est des bisounis, les loups. Pour les loups, vraiment là, que tu nous as préparé. On a bon, c'est des bisounis. Tata, tita, nana, sana, nana, sana. Ah, okay. Ça c'est bien ça. Aux infos, ça va faire ça une note? Oui, mi. Mi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Zambé na bomoy. Natatoli, Ozali, Zambé na bomoy. C'est sûr qu'un président courra l'église là-bas. Yahweh, eh. Yahweh, Nangai. Chamboyo Bongo nini ngai na pesa na yo Mobele masan joli a motema e Esosoli na yo nani yo zali Kolo yo zali zambe nanga Pourtant il y a une belle voix. Chama e Chama e Rabouni e Brochman, oui. C'est tout ce qu'il y a dans ton ventre là. Ici, nous avons la décision du jury. La voix est là, la matière est là. Mais tu nous as limités. Parce que tu viens de te limiter toi-même. Pourtant, on peut sentir qu'il y a beaucoup de choses là. C'est ça. Matière, vraiment, Isa est à haut niveau. Vraiment, à mon niveau, ça n'est pas facile. Audition, à nous tous en envoie bien vous. Grâce de Dieu, mon Dieu, ce n'est pas facile de chanter devant les grands et chanter devant Papa Mike, Maman Sandra, mais par la grâce de Dieu et le travail que je fais, et l'équipe. Aux yeux rouges. Waouh, c'est couleur rouge. Waouh. Quel pays dans ces moments, dans les calmes de ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Okay. Je ne veux rien manquer en moi. Papa, tu sais que tu es venu dans un concours. Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître. Un moment. Franchement. Rouge. Orange? Non, c'est... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il ne mérite pas la couleur orange, ou bien moi, je n'ai pas bien vu. Quand même, le frère Elvis, là, qui a été disqualifié à l'édition précédente, là, il avait une meilleure voix que celle-ci. C'est sur base de quoi qu'on lui a donné, au fait, la couleur orange, au fait? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, le jury... Vous donnez les mauvaises couleurs aux bonnes personnes et vous donnez les bonnes couleurs aux mauvaises personnes. Ça ne se comprend plus. C'est quoi la logique, au fait? Même sur la note, il n'y était pas. Non, franchement, hein. Continue. Mmh. Continue. Mmh. Son amour parfait. Fille, ça va tuer. Oh, danse-lui. Fais ma différence. Moi, je ne suis qu'une fille. Et lui est mon papa. Papa. Oh, regarde bien. Je
maître du roi. Lui seul suffit. Boutanga Kabalyrics. Les lyrics existent maintenant sur le net. Vous massacrez les chansons des gens. C'est la chanson de Sandra. T'as massacré sa chanson et te regardé. Approche, ma chérie. Voilà, la mais après tout, ça, c'est moi, c'est pas les autres. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il se peut qu'aujourd'hui tu nous quittes. Reviens nous-mêmes à la saison 2, ok? Ça ne dérange pas. Merci. Merci. Salut, Esther. Et Orange, ok. Manassé. Manassé Cinda. J'ai l'impression que tu nous intimides là. Je peux voir tes yeux. Voilà. Voilà. Manassé Cinda, Manassé star et chanteur animateur à Jésus. Ok. Balabi Madjabundi. Allez, bisous tout le monde, Jaboué. Bisous tout le monde, Jaboué. Jaboué, Soukaina. Et puis, nous avons un rythme, moi. Allez, merci, papa. On va te les bisous, Yango Tolobi. Merci, papa. Débrassez-toi. Merci, papa. Voilà. Toi, ton mari, vous êtes des aventuriers. Merci, papa. La tête de papa Mike. C'est-à-dire, Mike, c'est le seul type réfléchi de l'histoire. Il garde un calme, il reste tellement serein. Ok, madame. Mais vraiment, mis de rien aux autres, tu vois quand même réussi à séguer. C'est gentil à moi. Merci. Ok. C'est parti de Robin. Merci. Manassé, vous avez HD? Nassamona 1994. Âge. Maman, oh, Kimi. Yes. Ah, ça a 27 ans. On s'en a encore. Manassé, we love you. C'est parti. Et mon isselier, même ingale l'ona bomoy. Ça, ça va tuer. Bazouakie, moi la la patelle, l'ilingina yesu. Azala qui me caille. Ça va l'aider, ma belle. Banda coquelama, pesa makina, babo minyama. Afungola qui mongongo, que azala qui na singa. Yesu. Quand tu m'en prie de toi.
Donc, on a un problème articulationnel, addiction, on va s'arabisser, ça a un mot en français. Chante en lingala, maman. Mais elle a une belle voix pourtant. C'est beau, tant à kata, ba lyrics. Elle a une belle voix. Malédiction. La décision du jury en rapport avec la prestation, ok? Si on doit continuer, je rendrai gloire au Seigneur pour toi. Dieu te bénisse. Laisser la condition, c'était pas facile. Voir être et se mettre devant le grand star. Je crois que je fais le meilleur moment. Et c'est à eux de chicher. Je vais serrer la candidate très bien pour me dire pourquoi. Orange, ok. Ton problème de diction était limite flagrant. Parce que tu vas l'affronter bientôt, tu ne viens pas de la David. Ok. C'est parti. Souffle un peu. Tu es dans une compétition, voilà. Ah bah, papa, mote ma nangaye. Ah bah, papa, mungu ama jabu. Angèle. Elle a une belle voix. Yes. Merci beaucoup, Angèle. Merci beaucoup, Angèle. Merci. Venez. Vous avez dans cette enveloppe la décision du jury. Que Dieu te bénisse. Mm. Je sais que tu dégages. Tu trembles, pourquoi? Ça très bien. Une preuve que tu chantes avec ton cœur. Orange. Quoi? Rouge? Non mais attendez deux secondes, il y a un problème là. J'ai bien vu. Cap aux Anglais, Tony. Vous jouez avec les concours. Les gens qui ont des belles voix, on leur donne des rouges. C'est un concours, papa. Il a un point avec les sons plus haut. Allez, bon, on peut ça y est, Orange. Avance. Si tu reviens, on sera ravis de faire route ensemble.
Ah, je comprends plus rien de cette compétition, hein. Orange. Alors on sera ravis de continuer, voilà, que tu puisses apprendre de nous. Au cas contraire, on vous dit que Dieu vous bénisse. Tout ce qu'on dit de toi, tellement grand, que tout ce que l'on dit si pas. T'as dit que tu avais une voix pour faire compétition, c'est vrai, hein? Continue à gagner et plutôt à faire un truc et tout ça qui a accroché. Chacun a sa grâce, hein? À un moment donné, c'est un truc de Dieu. Mettez un peu plus de sérieux, les candidats. Ah. Tu as un niveau. Donne-nous ça. Ressors-nous ça, s'il te plaît. Benjamin, avance. Lui ne sait pas, mais moi je sais. Va découvrir. Que le Seigneur te bénisse. Orange? Mais avec quelle voix il mérite la couleur orange? Avec quelle voix? Non, mais à un moment donné, vous abusez. La tête de la chanson. C'est quoi cette agressivité? Tes débuts m'ont paru vraiment immatures. Là, la décision du jury, si elle est telle que tu dois continuer avec nous, je pense que les coachs auront à pouvoir t'en dire plus, ok? Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je crois que tu t'es aussi préparé conséquemment. Oh. Évidemment, bien sûr. Alors, tu nous viens d'où, mon ami?
De quelle commune? Je viens de la commune de la Gombe. Tu nous chantes quoi aujourd'hui? J'ai pensé chanter votre chanson qui m'a beaucoup béni, Action des Grâces. C'est vrai? Ouais. Non, ça peut vous avoir béni. Est-ce pour autant que ça va faire l'objet de votre choix pour cette compétition? Ben, pas forcément. Voilà. C'est vrai que ce qui a été dit est qu'on n'est pas obligé de faire une chanson d'un ambassadeur ou d'une ambassadrice. Okay. Mais personnellement, j'ai été convaincu de chanter cette chanson. C'est aussi une question de conviction. Tu as bien argumenté les choses, mon ami. Merci. Nous respectons ta conviction. Merci. C'est parti. Avant de chanter, tu as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans, ok. Toi, le maître des temps et des circonstances. Lelo est comme Ibeta Ngonanga. Toi qui fais toutes bonnes choses à ton temps. Lelo, si les sibas, si n'a pas. Chacun a un papa. La tête du jury. Personnellement, après ma prestation, je m'attends à un bon résultat, en fait, parce que il n'y a personne qui vient là pour n'est pas passé à l'étape supérieure, vous voyez. C'est-à-dire, c'est vrai, tout ne dépend pas de moi, ça dépend des ambassadeurs, la façon dont ils ont apprécié ma prestation. Et si vraiment ils ont jugé mieux de m'écouter mieux et que j'ai continué l'aventure, alors... Voilà, donc tel est mon souhait, sinon tout ne dépend pas de moi. Wow, il mérite un verre en tout cas. Personnellement, après ma prestation, je m'attends à un bon résultat, en fait, parce que il n'y a personne qui vient là pour n'est pas passé à l'étape supérieure, vous voyez. C'est-à-dire, c'est vrai, tout ne dépend pas de moi, ça dépend des ambassadeurs, la façon dont ils ont apprécié ma prestation. Et si vraiment
ils ont jugé mieux de m'écouter mieux et que j'ai continué l'aventure, alors voilà. Donc, tel est mon souhait, sinon tout ne dépend pas de moi. Wow, il mérite un verre en tout cas. Aïe aïe aïe! Oh, t'es chaud, baby! Ah oui, hein, je l'affirme. Tes impressions, cher ami. Non. Mes impressions sont bonnes. Voilà. Bon, j'étais content de voir que cela se fait de la sorte. Voilà. Je veux que remercier le Seigneur. Amen. Et vous remercier aussi. Oh. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh. Amen. Tu es notre invité aujourd'hui. Invité spécial. Ce que nous voulons faire, c'est que fais-nous plaisir, s'il te plaît. Fais-nous ça en live. Hein, tu vois ça? Maman Sandra, toutes nos ambassadrices, tout le monde, avons essayé d'arranger ça. Mettre ça met un peu de l'intelligence dedans. Ok? C'est bon? On est prêts? Let's go. On est prêts? Voilà, nous la tournons, nous la tournons. Venez, venez, coach. Venez, tout le monde, venez, tout le monde. C'est toi là, mon ami, c'est toi la star. C'est toi la star. Allez, allez, allez. La bénédicte à moi. Yeah. Come on. La bénédicte à moi. 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 La bénédicte à Nayo kala ngai kuluba, yo 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 Amen.
koloba, ye ye. Na yo kana gai koloba. Batu koloba kama kabo yo sale makata bo. Na yo kana gai koloba. Batu koloba kama kabo yo sale makana bo. Na yo kana gai koloba. Oti chou, oti baby, oti bye. Oti, oti. En tout cas, franchement. Alors voilà, je pense que tout s'est très bien passé. L'ambiance, le tournage, le déroulement, tout s'est très très bien passé. Je rends grâce à Dieu pour Otiniel parce que voilà, ça prouve que t'as pas besoin d'une belle voix pour impacter dans ton monde. Au fait, le texte de la chanson d'Otiniel est simple, mais elle est quand même profonde dans un autre sens. C'est vrai que les jurys en rigolent, mais quand même, ça reste très profond. Toujours dans sa simplicité, bien entendu. Et je pense que Dieu a voulu juste passer un message fort, a voulu juste enseigner les jurys. J'espère qu'ils ont compris le message de Dieu. C'est que vous pouvez peut-être rechercher la meilleure voix, la plus belle voix, mais quelque chose de fort que Dieu recherche pour son peuple, peut-être que ça se retrouve aussi dans la simplicité. En même temps, pendant qu'ils sont en train de prier pour Otiniel, je m'en vais chuter avec ce contenu pour dire félicitations à l'équipe de Mahajabu Talent pour le bon boulot qu'ils sont en train de faire. Mais quand même, il y a beaucoup de déceptions dans la mesure où il y a certaines belles voix qui prennent des rouges comme ça et des voix qu'on trouve, enfin, qui n'accrochent pratiquement pas, mais qui obtiennent des couleurs oranges. On ne sait pas comment est-ce que, en fait, si je pouvais leur faire passer une interview, j'aurais posé cette question pour savoir, mais c'est sur base de quoi qu'ils font ce choix et pourquoi pas les autres, pourquoi ceux-là exactement. Voilà, malheureusement, je ne sais pas les avoir. Dites-moi dans l'espace commentaire comment est-ce que vous trouvez les cotations de Mahajabu Talent. D'ailleurs, je pense que le visuel sera disponible demain soir. Le mardi, nous aurons un live à téléphone ouvert. Mahajabu Talent, vos appréciations, votre point de vue par rapport aux cotes, au déroulement, tout ça. Mais sinon, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, j'ai juste aimé. Et voilà, ça s'est bien passé, surtout la partie de Otiniel que j'ai grave kiffé. Voilà. Il y a eu des très belles voix cette fois-ci. En tout cas, la sœur Sandra Mbouya a emmené beaucoup, beaucoup d'énergie positive. Il y a eu beaucoup de belles voix. Je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, le mardi, on aura un live Mahajabu Talent à téléphone ouvert où vous allez vous exprimer, vous allez donner votre point de vue par rapport aux prestations et aux cotations du jury avant, bien entendu, le prochain élément autour de cette grande compétition. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. C'était ça, mon Congo. Là, portez-vous bien, je vous aime, je vous porte dans mon cœur, je vous souhaite des très bonnes choses, bon début de semaine à tous, continuez de savourer Mahajabu Talent, continuez de vous abonner sur Demeure Officielle, faites un maximum de partage du lien de mes émissions en rapport avec, bien entendu, Mahajabu Talent, continuez de vous abonner sur leurs réseaux sociaux, allez follow tous ces artistes qui passent pour chanter et tout ça, et surtout les ambassadeurs de Mahajabu Talent, bien entendu, allez leur suivre aussi sur leurs réseaux sociaux, certainement que vous tomberez sur des contenus en rapport toujours avec Mahajabu Talent, mais qui ne se retrouvent peut-être pas dans les vidéos qu'ils postent, vous savez. Voilà, je vous aime, je vous porte dans mon cœur, je vous souhaite plein de positivité et je vous dis à très bientôt, rendez-vous mardi, bye bye. Seigneur, et tu vois, à ta bonne et à ma l'heure,